So before we start the seminar, just your information for the English speaking public in the bar. At the bottom of your screen is an interpretation tab where you can choose to listen in French or English. Alors, vous êtes nombreux et vous êtes connectés ce matin pour ce troisième visiocafé de 2021 consacré à la dernière édition de la Coupe de l'América. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec une nouveauté ce matin. Nous accueillons pour la première fois des auditeurs étrangers. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Carole Bourlon. Je travaille chez Bretagne Développement Innovation, l'agence régionale de développement économique de la région Bretagne. Et je suis responsable d'Eurolarge Innovation, le programme d'accompagnement des entreprises de la filière technologique voile de compétition bretonne. Cette filière industrielle, connue sous le nom de Bretagne Sailing Valley, regroupe plus de 210 entreprises pour 1000 emplois et réalise près de 85 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis, côté sportif, en Bretagne, on compte plus de 200 teams de course et projets sportifs avec une spécialité qui est la course au large, et avec comme support de navigation des bateaux tels que les trimarans ultimes, les monocoques IMOCA, et aussi bien d'autres supports qui sont développés ici sur notre territoire. Alors, cette filière d'excellence bretonne rayonne un peu partout, y compris dans la Coupe de l'América. On verra tout à l'heure, deux de nos intervenants de ce matin sont de notre région où ils travaillent. Et avant de débuter, voici quelques conseils d'utilisation de Zoom. Donc, dans la barre en bas de votre écran se trouve un onglet « Interprétation ». Dans lequel vous pouvez choisir le mode d'écoute en français ou en anglais. Et à cet emplacement, on se trouve également l'onglet « Questions et réponses » dans lequel nous vous invitons à nous faire part de vos questions en lien avec le thème d'aujourd'hui. Voilà, merci de n'y poser que vos questions, hein, ce qui facilitera les sélections. Et pour le reste, utilisez le chat. Après ces quelques conseils, je vous propose donc de débuter au programme ce matin. Quel bilan technique pour l'America's Cup? La 36e Coupe de l'América s'est terminée le 17 mars dernier par la victoire du Defender Emirates Team New Zealand et elle s'est courue pour la première fois en AC75. Donc l'heure est au bilan technique pour préparer la prochaine édition et peut-être réfléchir aux évolutions technologiques. On vous propose de retrouver trois experts des design teams qui ont conçu ces bateaux et fait de cette Coupe de l'América une édition passionnante. Alors, nous sommes heureux d'accueillir tout d'abord Dimitri Despierre, qui est ingénieur et membre du design team d'American Magic. Bonjour Pierre, bienvenue et merci d'avoir été avec nous ce matin. Présent également l'architecte naval breton Guillaume Verdier, membre du design team de Emirates Team New Zealand. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour, ouais, ça fait longtemps que tu n'es pas intervenu dans une conférence Eurolarge. Tu as beaucoup fait l'actualité du Vendée Globe ces derniers mois, mais c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour parler de la Coupe, une autre de tes grandes spécialités. Et enfin, pour compléter le panel, nous accueillons Gauthier Sergent, qui est directeur général de la société North Sales France, basée à Vannes en Bretagne. Tu étais membre du design team d'Ineos Team UK. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Cette table ronde est animée par Pierre-Yves Lautrou. Bonjour Pierre-Yves. Salut Carole. Bonjour. Et puis je te passe la parole. C'est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Je reprécise que vous pouvez poser des questions. Et vous pouvez les poser dans le petit onglet qui est dans votre barre de menu en bas à droite, qui est Q et R. Et c'est là qu'il faudra poser vos questions et essayer de rester sur notre angle qui est le bilan et la technique de la Coupe d'América. Je sais qu'on pourrait poser beaucoup d'autres questions sur beaucoup d'autres paramètres, mais on va essayer de rester dans la spécialité de nos experts qui sont présents. Donc, je suis ravi de les accueillir. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a des spécialistes de trois domaines qui sont stratégiques sur la Coupe quand on parle
de design et de technique, à la fois les carènes et les appendices, les systèmes et le gréement et les voiles. Vous en voyez deux qui sont encore dans la nuit, ou qui vont commencer leur nuit, puisqu'il est, il doit être 7h30 ou 8h30, je ne sais plus trop avec l'heure d'été à Auckland, puisque c'est le cas de Guillaume Verdier et de Dimitri Despierres, qui sont encore en Nouvelle-Zélande, tandis que Gauthier, comme vous pouvez le voir, lui est en plein jour à Vannes. Et Gauthier, il a une petite contrainte horaire parce qu'après, il va naviguer sur Banque Populaire 11. Donc, il a fait reculer le départ du ponton de Banque Populaire 11 pour pouvoir être avec nous. Messieurs, une première question assez générale. Ça a été une coupe quand même extrêmement particulière, puisqu'il y avait une nouvelle jauge, des nouveaux bateaux. Je vais vous demander un petit peu, chacun à votre tour, comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette coupe-là? On sait que il y a des innovations à chaque édition de la coupe, il y a des changements majeurs à chaque édition de la coupe, mais comment celle-là se place-t-elle dans la dynamique d'innovation de la Coupe de l'Amérique? C'est une coupe particulière, on a franchi un palier particulier, et comment vous arriveriez à nous la décrire du point de vue un petit peu macro, je veux dire. On va commencer avec Dimitri Despierres, qui donc travaillait chez American Magic, je le rappelle, membre Oui. du team américain. Ben moi, je l'ai vu presque couler à la fin, hein. Donc bon, pour ceux qui ont suivi, mais sinon, non, d'une manière macro et pour être plus sérieux, ben je l'ai vu comme déjà une réussite d'une jauge que beaucoup auraient pu décrier au départ et où on s'était dit que, effectivement, à la lecture de la jauge, on pouvait se dire que ça allait être difficile d'avoir des courses serrées entre ces différentes équipes. Et au final, cette jauge a fait démenti beaucoup de personnes, puisque on a quand même une coupe très accrochée, ou assez accrochée en tout cas, et qui a été une réussite d'un point de vue technologique, mais aussi du point de vue spectacle. Donc voilà, ça c'est un peu une vue juste d'ensemble de la coupe, telle que moi je peux le voir et telle que à partir du début, quand on a reçu cette jauge, on était effectivement étonné, mais enfin étonné. Disons qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'extraordinaire et ça, c'est ce que ça a donné. Gauthier, toi de ton côté, Ouais, moi, non, moi comment tu situerais cette édition de la Coupe? Vous en avez tous fait plusieurs, hein? Mais je rejoins ce que dit Dimitri au niveau de la jauge qui était ambitieuse et on était tous nous compris, dubitatifs. Moi, je trouve que la coupe a pleinement joué son rôle, c'est-à-dire elle était inaccessible dans une certaine mesure d'un point de vue technologique, d'un point de vue pratique. Ça paraît très distant de la pratique normale de la voile, mais pour moi, c'est l'essence même de la coupe. Et voilà, c'est de l'innovation au plus haut niveau. Et voilà, c'était une course de marins et de technologie. Et pour moi, c'est la définition même de la coupe. Et je trouve elle a retrouvé un peu son âme. Guillaume, toi, tu es dans l'équipe qui a défini les règles du jeu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si, par rapport à la jauge à laquelle que vous avez conçue, est-ce qu'elle a rencontré toutes les attentes que vous aviez en la matière? Du point de vue du spectateur, on a l'impression que c'est effectivement le cas, mais du point de vue du designer, est-ce que c'est le cas aussi? Oui, on est quand même content qu'on a proposé ce concept avec Ray Davies et moi. Bon, évidemment, je parle au nom de tous les gens de l'équipe de Team New Zealand. Hein. Moi, je suis qu'un élément dans une équipe assez importante. Donc, en plus, je suis à mi-temps parce que je fais plein d'autres choses. Avec Ray Davies, on a proposé ce concept. Et en fait, on a proposé ce concept à l'origine pour un 40 pieds. Pour un client à moi. Puis le bateau s'est pas fait et puis finalement Ray Davies a proposé ce concept alors que j'étais pas là à Grant Dalton qui a autorisé à ce qu'on fasse à ce que quelques essais soient faits pendant 2 mois sur le simulateur pour voir si ça marchait. Et puis moi je pensais que ça marchait 50% de mieux qu'un IMOCA à l'origine, ce genre de concept où on met pas de quilles, quoi, et on met le plomb dans les foils pour faire une stabilité dynamique, c'est-à-dire qu'en statique,
on a le plomb qui nous stabilise, on va dire, au démarrage et tout ça. Et puis ensuite, on transfère ça dans un mode dynamique. Et bon, sur le simulateur, ça marchait correctement, mais ça marchait beaucoup mieux qu'on ne le pensait au final. Et on a tellement progressé qu'on était assez étonnés. On a tous été assez étonnés des performances au pré. Au portant, c'était bien, mais c'était assez limité, comme sur les AC50, par les cavitations et tout ça. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais voilà, en fait, les performances au pré nous ont étonnés. Et puis c'est vrai que, enfin, c'est ce que disait Gauthier avant, le rêve de la coupe pour les marins, c'était les AC5, parce qu'en AC5, il y avait un vrai match racing. Et là, quand on fait des bateaux qui vont vite, ce n'est pas évident de faire du match racing. On n'était pas très sûr que ça marcherait. Et puis ça s'est passé. La magie du match racing s'est passée. On a pu voir qu'il y avait de la mauvaise ou de la bonne tactique, des côtés du plan d'eau qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, des croisements. Moi, j'avais qu'une trouille, c'était des accidents. Et je dois dire que c'est quelque chose qui restera dans l'utilisation de ces bateaux, qui sont quand même dangereux s'il y a une perte de contrôle. C'était ça, ma grande peur. Mais sinon, ça a correctement marché. Et puis, on a eu la chance de la courir en Nouvelle-Zélande, où il y avait quand même le seul pays où il n'y avait pas de Covid. Et je pense que pour tous les gens qui étaient là, toutes les équipes qui sont venues, ils ont eu la chance de pouvoir vivre quelques mois sans masque. Guillaume, est-ce que vous vous attendiez à ce que avec une jauge complètement nouvelle et des bateaux assez radicaux, est-ce que vous vous attendiez à ce que la compétition soit aussi serrée? Parce que c'est ça la grande surprise et c'est ça l'efficacité au final de cette jauge-là, c'est de marier l'innovation et le sport, quoi. Oui, je crois qu'on s'attendait à ce que la compétition soit serrée. On ne savait pas trop dans quelle mesure les uns et les autres progressaient, mais on avait vu quand même au Bermude qu'en arrivant avec des niveaux assez différents, au bout d'un moment, ça recollait bien. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment super dommage qu'American Magic ait eu son problème, parce qu'ils étaient vraiment dans les tout bons, quoi. On en avait peur. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué techniquement à mettre en œuvre dans le cadre de cette nouvelle jauge? Nous, de l'extérieur, alors c'est aussi l'une des caractéristiques de cette coupe, c'est que de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Hein. Les bateaux sont entièrement carénés, on voit des têtes qui dépassent, des ponts parfaitement propres, des voiles incroyables, et on ne voit vraiment pas ce qui se passe en dessous. Qu'est-ce qui, du point de vue de la technique pure, a été le plus compliqué à mettre en œuvre? C'est ne pas perdre le contrôle du bateau à 50 nœuds, qui commencent à devenir des vitesses assez communes. C'est la capacité des systèmes à réagir vite et efficacement. Aujourd'hui, on voit des virements de bord avec des foils qui montent et qui descendent sans souci. Qu'est-ce qui était le plus gros challenge technique? Bon, je pense que c'était les foils quand même, parce qu'on a fait des foils à voler, ce qui était chouette. Et la mécanique des foils et pour avoir des écoulements propres, c'était quand même hyper compliqué. Et puis d'un point de vue gréement, il y avait une infinité de solutions. Gauthier en parlera mieux que moi, mais il y avait aussi une infinité de solutions allant du très complexe au très simple. Et je pense qu'il y a plein de solutions qui marchent. Nous, on en a pris une, elle a marché, mais je pense qu'il y a plein d'autres solutions qui marchent. Donc, trouver un équilibre, je pense qu'une fois qu'on part dans une voie, il faut aller au bout. On a creusé une voie, mais il en existe d'autres. Gauthier, justement, qu'est-ce qui du point de vue du designer de voile que tu es, qu'est-ce qui était le plus gros challenge technique? On n'en a pas beaucoup parlé, mais les contraintes de jauge sur le gréement étaient quand même assez fortes. Hein. Oui, donc déjà, le mât était partiellement monotype. Donc ça, les gens peut-être n'ont pas bien saisi, mais il y avait une base de une structurelle et une forme imposée. Après, on avait le droit de renforcer comme on voulait. Et donc, comme le disait Guillaume, ça ouvrait énormément de pistes, de solutions. Et je pense que c'était là, la complexité était là, c'était de trouver un peu cet équilibre entre... c'était la volonté, c'était une hybride entre une aile et une voile. Et donc, il fallait trouver le bon équilibre entre la complexité d'une aile et la précision du contrôle. Et puis la simplicité d'une voile
et un poids raisonnable. On avait des contraintes de centre de gravité donc, et de poids. Donc voilà, on partait d'une page complètement blanche, complètement nouvelle, avec une voile à double membrane sur les GV. Et donc voilà, c'était trouver un petit peu le bon équilibre entre mettre beaucoup de contrôle, de systèmes de contrôle qui sont compliqués, parfois qui compromettent un peu la fiabilité et qui sont lourds, et puis d'avoir suffisamment de contrôle sur une voile classique qui permette à ces bateaux de passer d'un mode archimédien et instable où les foils ne sont pas encore actifs et à un mode complètement volant où fatalement on a trop de puissance et on essaye d'aplatir les voiles, on essaye de diminuer la traînée. Et donc voilà, le challenge était là, quoi. Surtout que vous passiez d'un monde où vous aviez des ailes que vous pouviez faire évoluer à la demande, enfin avec beaucoup, beaucoup de réglages possibles, à un autre monde qui était celui d'une voile à double membrane. Enfin, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, du coup, vous changiez complètement de mode de fonctionnement, quoi. Ben, ouais, c'était un petit peu ça. Ça dépendait un peu de la culture de l'équipe aussi. Et donc, on pouvait soit partir d'une aile en disant on va faire une aile simplifiée, ou partir d'une voile et se dire qu'on va faire une voile un petit peu plus sophistiquée. Et voilà, comme le disait Guillaume, il y avait plusieurs pistes. Team New Zealand a pris plutôt la piste de la voile sophistiquée. Chez Ineos, c'est vrai qu'on était parti sur plutôt un concept d'aile simplifiée. Et voilà, donc tout ça converge au final, mais on a, enfin voilà, il y a des milliers de possibilités, quoi. C'est ce qui est très complexe, c'est que ça implique tout. C'est pas juste une aile. Il y a une masse totale du bateau, il y a un équilibre aéro et hydro, il y a l'aéro complète. On a vu aussi beaucoup sur le travail de la jonction entre les voiles et le pont. Et puis voilà, il ne faut pas oublier non plus les voiles d'avant, avec notamment des contrôles relativement classiques avec une bastac et puis des charges à faire passer qui sont quand même faramineuses avec des poids limités. Donc ça fait des travaux sur les structures des voiles, sur les matériaux qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont très intenses et qui, pour le coup, vont se répercuter sur dans un premier temps, la course à voile classique et puis sur les utilisateurs plus conventionnels. On va y revenir après sur les retombées, les retombées techniques dans d'autres secteurs. Dimitri, toi, à ton échelle, tu t'occupais des systèmes chez American Magic, ce qui recouvre un ensemble d'activités assez important. Mais toi, c'était quoi les principaux challenges auxquels tu as dû faire face en termes d'innovation sur cette coupe? Oui, effectivement, je manageais l'ensemble des systèmes d'une manière globale, mais j'avais quand même une tâche plus précise aussi à achever, qui était, comme le disait Guillaume, ces nouveaux foils qui intégraient des flaps. Et donc, moi, j'étais en particulier aussi responsable de designer ces systèmes de contrôle pour les flaps. Et donc, oui, c'est intéressant de voir qu'au final, comme le disait Guillaume, pour des solutions finalement qui sont relativement assez différentes entre les teams, on a quand même eu des bateaux qui pouvaient régater avec des vitesses dans certaines conditions relativement similaires. Donc c'était quand même assez frappant, et ça rejoint ce que dit Guillaume, il n'y a pas qu'une solution qui fonctionnait. Si on allait jusqu'au bout et si on l'a développée correctement, il y avait sûrement un potentiel de faire jeu équivalent, à ceci près que quand même Team New Zealand a quand même fait une petite démonstration à la fin quand même, mais bon, voilà. Et donc toi, pour toi, la chose la plus complexe à mettre en œuvre, c'était le design de ces systèmes de flaps. C'était ça qui était pour toi le truc le plus complexe.
Oui, disons que, bon, après, je ne pense pas qu'on ait fait du côté American Magic, je ne pense pas qu'on ait fait un très bon travail du côté rig, enfin, pardon, du côté gréement et voile, notamment au niveau des systèmes. Mais par contre, du point de vue des foils, oui, c'était le challenge parce que il n'y a pas que le challenge du système. Un système, on va toujours trouver moyen de contrôler la surface. Mais par contre, comme le disait un peu Guillaume, il y avait ce challenge de faire non seulement quelque chose de très très propre pour éviter des départs de cavitation, et puis aussi de faire du packaging, c'est-à-dire que non seulement on veut faire un système performant qui va répondre en quelques millisecondes à la demande des navigants pour la stabilité du bateau en vol, mais par contre, au-delà de ça, il y a aussi faire rentrer ces systèmes dans une enveloppe la plus petite possible pour diminuer la traînée que peuvent offrir ces appendices. Et donc, il y avait un challenge, une boucle globale au niveau design qui était de savoir qu'est-ce qu'on voulait pouvoir faire avec ces appendices et aussi ben, pas en vouloir en faire peut-être trop parce que les systèmes allaient prendre plus de place si on voulait faire plus de choses. Donc voilà, il y a eu des choix un peu différents entre certaines équipes et qui sont très, enfin, que j'ai trouvé très très intéressantes. Guillaume, quel bilan tu tires toi de la Coupe du point de vue technique pour Team Zealand? Au-delà de la victoire, c'est pas ta première participation avec cette équipe-là. Quel bilan technique tu tires à la fois du point de vue des méthodes et du matériel, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a, comment tu résumerais cette campagne-là? Bah à chaque fois, je suis assez étonné de la complexité des systèmes. Réussir à faire marcher une machine avec autant de bazar électronique et mécanique à l'intérieur, et que ça marche presque du premier coup. On voit sur des bateaux comme Gitana ou les Bangkok, et ça, ils arrivent à les faire marcher, mais ça met du temps. Hein. Ça met des fois 1 an, 2 ans. Là, il faut se rendre compte qu'on est presque 150 dans l'équipe ou 130. Hein. Et ils bossent et ils font les 3-8. Hein. Donc, quand le bateau rentre, s'il y a un truc pété, ils vont bosser toute la nuit, ils démontent les trucs. Donc, il faut que ce soit une énorme complexité, je trouve, des systèmes. Et ça, du coup, je suis très admiratif des gens qui conçoivent ces parties-là. Et toute la partie électronique derrière qui suit, hein, parce il y a les softwares, tout ça. Et c'est réussir à faire marcher. Donc, ce n'est pas seulement l'architecture du bateau, c'est l'architecture c'est-à-dire le rassemblement des compétences de toutes ces parties qui arrivent à finir par faire comme un morceau de musique qui déroule sans fausse note. Hein. Et pourtant, il y en a des fausses notes. Hein. Et au fur et à mesure qu'on joue la partition, ben, c'est vraiment ça. Enfin, moi, je ne suis pas musicien, mais je vois bien comme si on devait apprendre à faire une musique sur un piano. Ça sonne faux pendant un moment, puis à la fin, il faut vraiment que ça déroule clean. Et c'est presque au dernier moment que ça déroule clean. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent à faire de mieux en mieux et que la partition, on se dit, bon, ben, c'est presque parfait, hop, on change de feuille, on remultiplie les risques parce que, franchement, si c'était une fusée, moi, je ne monterais pas dedans. Hein. Ce serait du délire. C'est-à-dire que pratiquement, on change de feuille, une semaine après, on est en course, ou 3 jours après, on est en course. Il y a un espoir d'un sans faute qui est énorme et donc il faut que les gens ils soient quand même super attentionnés. Il y a quand même des procédures aussi qui sont là en place pour éviter qu'il y ait des gens qui montent à bord et enlèvent une vis sans que ce soit répertorié. Et ça à tous les niveaux, quand je dis une vis, c'est aussi bien au niveau du software. Donc, il y a un moment où ça nous fait tous un peu peur et puis il y a des gens extrêmement, extrêmement méticuleux comme chez nous, il y a des teams, il y a Toon, Martin McElvey, vraiment qui suit la vie du bateau une fois
une fois qu'il commence à courir et qui répertorie bien les changements, il faut. Puis même pour la masse du bateau, qui était un critère de jauge assez strict, moi je trouve trop strict. Je trouve assez incroyable qu'on arrivait à courir tous les jours malgré ça. Est-ce que tu as vu l'équipe changer d'une édition sur l'autre? Une équipe qui a changé son architecture ou son fonctionnement entre deux courses? Non, je veux dire, chez Team New Zealand, est-ce que tu as vu l'équipe beaucoup évoluer entre les deux éditions du point de vue du design et de la technique? On sait que c'est l'une des forces des Kiwis, c'est cette forme de permanence qu'il y a depuis des dizaines d'années, quoi. En fait, je crois que chez les Kiwis, ils avaient plus l'habitude d'équipes plus petites. Et là, on se rapproche d'une équipe qui est presque trop grosse et qui fait qu'il doit y avoir un seuil critique de non-fonctionnement. Donc, je pense qu'il y a une part de chance dans le fait que ça fonctionne quand même et un risque assez important quand l'équipe grossit. On dit que la complexité, elle va avec la racine carrée du nombre de gens impliqués. Donc, s'il y avait... une personne, c'est 1. S'il y a deux personnes, c'est multiplié par 1,4 la complexité et ainsi de suite. Du coup, ça me faisait très peur d'être beaucoup comme ça. Et il faut que les gens s'entendent bien. Et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être que le premier acteur d'une équipe comme ça, ce soit un psychologue qui fasse que les gens s'entendent bien entre eux et que ça, il y ait de l'huile dans les rouages. Mais parce qu'on peut dire qu'un petit caillou dans une machine comme ça, ça va être dramatique. Il y avait pas de psychologue chez TNZ, mais ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, ouais. Il faut faire attention pour les prochains coups, mais ça a bien fonctionné. Gauthier, c'était comment chez Ineos Team UK? Quel bilan as-tu fait de cette campagne du point de vue technique? On a vu le bateau marcher très fort, puis marcher un peu moins bien. Il y a eu des hauts et des bas. Quel est ton retour? Oui, alors c'est déjà, je voudrais revenir brièvement sur ce que Guillaume a dit. C'est qu'on l'oublie souvent, mais la voile dans son ensemble est très peu sujette à des normes et des régulations. Et ça nous permet quand même de pousser très, très loin les utilisations des matériaux, des structures, des systèmes, de l'électronique. Comme disait Guillaume, si c'était ne serait-ce qu'un avion, même une fusée, jamais ce serait développé en si peu de temps. Et même on voit souvent des équipes de Formule 1 qui cessaient ou qui essaient de contribuer à des campagnes de la Coupe, mais eux sont habitués à des cycles de développement sur 15-20 ans. Et là, il faut voir que c'est 3 ans et on part d'un concept complètement novateur sur lequel personne n'a jamais travaillé. Donc, c'est un sacré défi et un petit miracle que ça fonctionne. Au niveau bilan technologique, je pense qu'il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très riche parce qu'on a, on a remis l'innovation dans la coupe et c'est un peu le rôle de la coupe. Donc on jette un bâton dans l'eau beaucoup plus loin qu'on sait nager et puis on commence à nager vers le bâton en espérant qu'on apprenne à nager un peu mieux au fur et à mesure qu'on avance. Donc finalement, ça, c'est un peu les ressources humaines et on arrive toujours à dépasser un petit peu ce qu'on croit pouvoir faire et ses limites. Souvent, dans le sport, on dit que quand on pense atteindre ses limites, on est encore peut-être aux trois quarts de ce qu'on peut vraiment faire et c'est vraiment ça la coupe. D'un point de vue technologique et humain, on a tous fini sur les rotules et l'intensité de cette coupe a été quand même assez incroyable. Et donc voilà, d'un point de vue technologique, moi, pour ce qui me concerne plus directement au niveau des voiles et du gréement, il y a eu énormément d'enseignements. On a poussé très loin les structures des voiles parce qu'on était contraints par des poids et qu'il fallait gérer des charges énormes. Il fallait développer des puissances très élevées à bas régime pour faire décoller le bateau et puis après être capable d'éliminer cette puissance, soit avec les systèmes de contrôle ou des contrôles plus classiques qui parlent à tout le monde, le Cunningham,
la bastac, le réglage de bordure, donc ça reste de la voile. Et ça, au niveau enseignement, on a poussé un peu tous ces concepts qu'on prend tous un peu pour acquis très très loin. Et ouais, en plus avec cette voile à double peau, on ne s'imagine pas ce qu'il y avait dedans et on ne voit pas non plus ce que fait la concurrence. Donc il y a un degré de complexité là aussi et qui a été une réussite parce que voilà, c'était encore une fois on se lançait dans quelque chose qu'on ne connaissait pas et ça pouvait très bien partir à la catastrophe. J'ai eu quelques discussions avec Burns Fallow qui était le responsable voile chez Team New Zealand et qui, pour reprendre son expression en anglais, qui a dit sur certaines choses we got away with murder, donc ça veut dire un petit peu qu'on a frôlé la catastrophe, c'est-à-dire qu'ils ont mis certains critères dans la jauge basés sur les calculs initiaux et les simulateurs à la base. Et un petit peu de bonne foi et de devinette sur certains points. Et bon, c'est passé, mais avec le recul, c'était quand même un sacré pari. Et à refaire, il y a des choses qui sont... Ouais, qui va falloir changer, sûrement dans la nouvelle jauge. Ça paraîtra être du détail pour le grand public, mais il y a des choses qui nous ont vraiment donné du fil à retordre. Et bah, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas sur cette coupe que mes cheveux ont repoussé. Donc, voilà. Dimitri, tu es comme Gauthier, complexité et intensité aussi chez American Magic. Complexité, je ne parle pas de complexité, je parle de difficulté, oui, parce que ce n'est pas forcément les choses les plus complexes qui ont bien marché. La plupart du temps, c'est plutôt l'inverse, c'est les choses simples. Puis la complexité, des fois, c'est des choses que certaines choses ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas penchés sur le problème, mais parce qu'ils ne sont pas experts de ce domaine-là. Et de la même manière que nous, on ne va pas comprendre des choses de leur domaine. Donc, une fois qu'on a défriché un peu, qu'on a un peu expliqué les choses, cette complexité, finalement, on vit avec au jour le jour et nous, on la voit pas tellement comme quelque chose de très complexe. Ces bateaux, oui, ils sont un peu compliqués. Ils demandent beaucoup de maintenance, ils demandent beaucoup de personnes. Le facteur humain est ultra important. D'ailleurs, enfin, pour rejoindre un peu ce que disaient Guillaume et Gauthier, ce que je trouve extraordinaire sur la coupe, justement, c'est que ce facteur humain, il est encore très présent et qu'on fait la différence. Personnellement, si j'amène une idée, cette idée, en étant seul dans mon coin, elle ne va pas aller bien. Enfin, elle sera pas mal peut-être, mais en tout cas, avec ces équipes de coupe, ce que l'on voit, c'est qu'on arrive avec des groupes et avec différentes cultures, parce que les équipes sont quand même constituées de gens, c'est très international, donc il y a des cultures différentes, et on arrive à amener les choses à une maturité qui est assez exceptionnelle. Donc ça, je trouve ça, d'un point de vue technique, je trouve que cette émulation qu'il y a sur la coupe, elle est vraiment extraordinaire, elle est vraiment très intéressante. Et puis après, d'une manière globale au niveau technique, comme on le disait, les bateaux ils sont restés extraordinaires. Voilà, moi j'ai apprécié de faire partie de cette première expérience de monocoque de 75 pieds volants. Et puis, la jauge, faut espérer que les petites choses qui sont à revoir seront ajustées pour la prochaine et on verra encore des matchs encore plus intéressants. On en parlera peut-être, mais effectivement, Guillaume, il disait, on a vu du match racing. On a vu plus de match racing que ce qu'on avait sûrement anticipé tous, quoi. Donc, c'est quand même incroyable de ce point de vue-là.
Est-ce que tu peux faire ton bilan un peu perso à toi sur au sein d'American Magic, sans vouloir remuer de couteau dans la plaie ou de, mais c'était une expérience forte, j'imagine. Oui, c'était alors déjà c'était très intéressant. Le bateau a chaviré, il a fallu réparer, il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, c'était une aventure compliquée. Oui, c'est un détail ça. C'était presque dans les plans. Oui, effectivement, le chavirage, ça a mis un peu un coup d'arrêt à la campagne d'American Magic. Ça fait toujours plaisir quand Guillaume, on l'entend dire tout à l'heure, qu'ils avaient un peu peur de nous. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu peur très très longtemps, mais bon, en tout cas, c'était une campagne qui était intense, comme pour toutes les équipes, ça c'est sûr. Mais encore une fois, pour avoir vécu toutes les campagnes depuis 2000, celle-ci, elle avait encore quelque chose de très jubilatoire, qui est de défricher une nouvelle jauge et donc d'apporter quelque chose de nouveau au niveau des systèmes. Voilà, il y a un vrai challenge d'essayer de contourner la jauge par certains endroits. Et puis, d'un point de vue bilan personnel, ou du groupe en tout cas, parce que je ne suis pas le seul à faire tous ces systèmes, bien entendu, c'est déjà d'avoir apprécié de travailler avec tous ces gens-là, et puis de mettre au point des nouveaux systèmes qui peuvent avoir des répercussions ailleurs que sur la Coupe de l'Amérique déjà. Ça c'est on le voit, et puis on voit pour d'ailleurs, parce qu'on est contacté en dehors de la Coupe d'Amérique, justement parce que les gens sont intéressés par ce que l'on a fait. Donc ça c'est aussi une reconnaissance de ce que la Coupe apporte à l'extérieur. Voilà, enfin je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail, mais c'est sûr qu'après il y a une interaction avec les autres groupes. Notamment un outil qui s'est très développé, on en parlera peut-être avec les simulateurs, et ça prend de plus en plus de place avec l'intégration de, on parlera peut-être aussi d'intégration, mais entre ces différents groupes, notamment les systèmes qui ont essayé de s'intégrer au mieux dans le simulateur pour apporter plus de précision et plus d'anticipation à ce qu'allait être le vrai bateau quelques mois plus tard à l'eau, et puis même pour le deuxième bateau, ça a quand même joué aussi un rôle important. On va rester avec toi justement pour évoquer ça. C'est quoi l'innovation majeure qui est arrivée sur cette coupe, ou est-ce qu'il y a la confirmation d'un outil comme les simulateurs? Est-ce qu'il y a eu vraiment une nouveauté entre guillemets, ou une innovation qui a marqué ce cycle de coupe pour toi? Après, je ne peux que parler pour ce que j'ai vu à l'intérieur d'American Magic, hein, bien sûr. Mais en interne, Team New Zealand avait fait un pas bien plus élevé que nous la dernière fois pour les Bermudes, pour la Coupe aux Bermudes. Nous, on a essayé de rattraper. Le simulateur, c'est clair que c'est un outil qui, aujourd'hui, a montré une capacité de faire gagner du temps au niveau du design, mais aussi il a permis à plein de groupes de parler entre eux, parce qu'il y avait besoin d'intégration de plein d'informations dans ce simulateur. Donc on parle de VPP, on parle de CFD, peut-être qu'on détaillera un peu ce que c'est, mais on parle de système, on parle de modèle aéro, on parle... Tout ça, ça a besoin de fournir le simulateur pour obtenir quelque chose de précis. Sinon, on sort des informations erronées si on en rentre des choses erronées à l'intérieur. Donc déjà, il y avait ce côté-là qui était côté design. Puis après, il y a le côté utilisation de cet outil par les navigants et par le coach. Ça, on l'a sûrement d'ailleurs pas fait assez du côté de chez American Magic. Mais j'y vois en tout cas dans l'évolution des campagnes que j'ai pu faire dans les trois dernières une prise d'importance par cet outil qui est assez conséquente, sûrement la plus grosse évolution que j'ai pu voir avec les systèmes qui, oui, effectivement, ils prennent une part, mais ça c'est du fait de la jauge. La jauge a fait qu'on ouvre
la capacité de faire voler les bateaux et de les contrôler. Et donc, il y a une grosse partie des systèmes, enfin, de la part des systèmes, parce qu'on doit faire voler les bateaux. Enfin, voilà, on pourrait très bien réduire cette partie-là. Ça, ce serait qu'une partie de la jauge. Guillaume, pour toi aussi, c'est la prépondérance désormais des simulateurs qui devient qui a été un phénomène marquant sur cette coupe. Pour nous, j'aurais tendance à dire que c'était plus la coupe d'avant. On a fait beaucoup de simulateurs et pour choisir les foils il faut rappeler que l'équipe, enfin Tianzhen, était très en avance par rapport aux autres équipes dans la construction et l'utilisation du simulateur. Hein. Oui. Bon, il y a plusieurs moyens d'utiliser ces outils-là, parce qu'on peut, quand même travailler avec des dérivatives, enfin, c'est-à-dire connaître le poids d'une modification, le poids de, je sais pas, d'un changement de trim, le poids d'un. Et donc, après, travailler de manière obsessive sur un safran pour pouvoir changer le trim, ou travailler de manière obsessive sur le foil pour limiter la cavitation et savoir quel est le prix, la dérivative, c'est combien coûte le prix, par exemple, de la cavitation sur la vitesse. Et puis, bah, une fois qu'on connaît ce prix-là, on travaille à mort dessus. Et je dois dire que... Après, au-delà du simulateur, je dirais qu'il faut avoir des bons outils de simulation numérique. On n'avait pas le droit, dans cette campagne, de faire du bassin de Karen, par exemple, ou des essais en tunnel hydrodynamique pour la cavitation. Je pense qu'on aurait appris énormément. Bon, ça n'a pas été accepté dans la jauge pour des raisons de budget, parce que ça coûte très cher de faire du tunnel hydrodynamique, mais je pense que beaucoup auraient appris énormément de choses si on avait pu mettre nos foils en tunnel hydrodynamique, parce qu'il se passe plein de trucs qu'on ne voit ni en simulateur, ni même en CFD, pour lesquels il faut intuiter un petit peu et puis avoir un peu d'expérience et regarder beaucoup ce qui se passe sous l'eau. J'étais assez étonné, moi, dans cette campagne, par la qualité des gens qui faisaient de l'acquisition de données aussi. Et réussir à regarder sous l'eau, par exemple, je pense que toutes les équipes faisaient ça, mais avoir des caméras qui regardent sous l'eau et voir vraiment la différence entre ce qu'on imaginait puis la réalité. Notamment, bah, tout à l'heure, on parlait des flaps qui sont sur les foils. Et, bah, là, il y a quand même un sacré bazar qui se passe. Il y a des lèvres qui se décollent au début, qui font carrément parachute, quoi. Donc... les équipes qui ont eu des bonnes acquisitions de données auront sûrement progressé plus vite. Et toutes, hein, je pense qu'à la fin, tout le monde regardait. Et on a vu des. Finalement, on pouvait se regarder nous-mêmes avec des drones, mais on était vachement contents d'avoir des belles photos de Gilles Martin Rager aussi, qui survolait tout le monde. Et on a eu des photos de nos concurrents super précises. Par Gilles Martin Rager. Enfin, tout ça pour dire que la réalité de l'environnement en marin était vraiment de super complexe, je trouvais, surtout quand on arrive aux vitesses max. Guillaume, une question de l'audience. C'est quoi la puissance de calcul nécessaire pour les simulateurs? Alors, on peut tourner sur un simulateur, sur un PC. Hein. Après, on peut descendre le nombre de hertz ou la précision. On n'est pas obligé d'avoir des trucs énormes. Mais aussi, sinon, on a un gros ordinateur de calcul. Donc honnêtement, je ne connais pas. J'ai pas la réponse à ce chiffre. C'est un gros ordinateur de calcul qu'on a, qui nous était passé par HP. Donc, je me suis pas intéressé au problème. Gauthier, une autre question, et tu pourras aussi répondre aussi sur le rôle des simulateurs. Et j'ai perdu la question parce qu'il y en a un petit peu dans tous les sens. Oui, est-ce que le concept de grand voile à double pot a fait ses preuves? Et est-ce qu'au global, c'est mieux, entre guillemets, qu'une aile rigide? C'est très complexe de répondre à la question parce qu'on n'avait pas le choix.
Donc, on a fait fonctionner ce concept de double pot du mieux qu'on pouvait. Et c'était déjà un gros pari. Et on n'a pas eu énormément de temps pour comparer à ce qu'aurait pu être une aile. Donc, on sait par rapport à des coefficients aéro de ce qu'on est capable de générer en termes de puissance et de plage de puissance notamment. Donc voilà, c'est répondre à ces questions, c'est difficile. Le concept a fonctionné puisque les bateaux ont navigué et à des vitesses très élevées. Je pense que s'il y avait une aile sur ce bateau, ce serait complètement différent. Il faudrait revoir pas mal de choses. Les charges seraient différentes, le poids serait différent, le plan de voilure serait différent. On n'aurait peut-être pas les mêmes nécessités au niveau voile d'avant. Donc, c'est difficile de répondre comme ça. Ça a fonctionné, oui. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce que c'est beaucoup moins bien? Il faut mettre un peu tout ça dans l'équation. Il y a une partie financière, logistique, technique. La volonté, je pense, de Team New Zealand à la base, c'était de réduire un petit peu la nécessité logistique qui entoure une aile au niveau manutention. Cela dit, on démontait les mâts tous les jours, donc il fallait quand même avoir une partie de manutention. Ce n'était pas obligatoire, mais les équipes le faisaient pour des histoires de maintenance et d'optimisation. Et puis, la volonté de se rapprocher aussi un petit peu plus de la pratique de Monsieur Tout-le-Monde avec une voile souple qu'on hisse et qu'on affale. Dans la jauge, il y avait des contraintes. On devait être capable de pouvoir hisser la voile sans envoyer quelqu'un forcément en haut du mât pour la faire coulisser sur le mât, et pareil pour l'affaler. Donc, si on veut répondre à la question, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Est-ce que c'est mieux qu'une aile rigide? On n'a pas la réponse. On ne s'est pas penché sur cette question. En tout cas, elle a rempli son rôle. Et voilà, est-ce que c'est appelé à rester? Je pense que oui. On en est sur une première phase, donc il y a énormément de développement à faire. Comme disait Guillaume, on a convergé vers une solution. Il y aura peut-être d'autres radicalement différents qui vont émerger sur la prochaine édition. Donc, je pense qu'il faut se donner un peu de temps avant de juger complètement ce concept. Et c'est les applications de cette double peau aujourd'hui pour le pratiquant normal, ça a très peu d'intérêt. Ça ne veut pas dire que dans quelques années, ce ne sera pas quelque chose qui sera plus commun ou qui aura des répercussions qu'on ne connaît pas encore. Dimitri, une autre question de l'audience. Est-ce que l'industrie fournit suffisamment de solutions techniques standards vers un actuateur électronique ou est-ce que vous devez développer vous-même vos propres produits? Et si oui, lesquels? Je ne sais pas si tu peux répondre à la dernière question, mais... Si, non, je peux répondre. On a forcément des choses qui sont très custom parce qu'elles sont adaptées, que ce soit les courses de vérin ou leur dimension, leur capacité au niveau de la prise de charge. Ça va être effectivement des choses qui sont développées, enfin, ou en tout cas construites selon nos spécifications. Des fois, certains les designent en interne ou on passe des spécifications à l'extérieur. Mais donc ça sera effectivement des éléments custom. Par contre, après, d'un point de vue des valves de contrôle ou des choses comme ça, tout ce qui est tube, alors on n'avait pas droit au tube titane par exemple, mais bon, tout ce qui va être tube hydraulique, évidemment qu'on ne s'amuse pas à les construire nous-mêmes. C'est du custom pour l'installation, mais pas pour la fabrication. Et puis pour tout ce qui est valve, alors à ma connaissance, en tout cas de notre côté, nous on utilisait du matériel standard qui des fois peuvent être customisés en interne, mais la plupart du temps, du matériel standard. Pas forcément du milieu de la marine, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vers des fournisseurs du milieu maritime, mais on peut retrouver dans tous les systèmes de contrôle des systèmes qui sont de l'aérospace ou même du standard de l'industrie, parce que les coûts sont
très faibles, mais par contre, on va potentiellement les faire fonctionner en dehors de leur plage d'utilisation normale, parce que nous, on prend, comme le disait Gauthier tout à l'heure, on prend plus de risques. Les seuls à mettre un tampon d'autorisation à utiliser certaines valves à des pressions différentes que celles pour lesquelles elles sont spécifiées, ben, ça va être nous, les ingénieurs, qui mettons sur des bancs de test à l'épreuve. Et puis, si on est satisfait du résultat et du type de contrôle, on va les mettre à bord. Voilà, pour répondre à la question, voilà. Après, effectivement, il y a des choses que l'on ne modifie pas, que ce soit les ordinateurs de bord, PLC, tout ça. Évidemment que la programmation est faite en interne, tout ce qui est contrôle. Mais par contre, que ce soit chez Bekov ou BNR ou des, voilà, on a des choses qui sont disponibles sur le marché qui seraient utilisées pour faire de l'automation, je ne sais pas comment on dit en français, de l'automatisme. Ben ça, on va pouvoir le retrouver sur une chaîne de fabrication de lait, hein, et puis ça va être les mêmes éléments, mais adapté, voilà, on utilisera ces éléments dans le bateau. Et puis après, ben, y a des ordinateurs de bord qui sont, eux, par contre, custom complètement. Je pense à des mini-nodes, des choses qui vont être plus légères, parce qu'il y a toujours une course au poids. Et donc, on va aller chercher des éléments ou des choses qui n'existent pas forcément sur le marché. Et donc, on va fabriquer ne serait-ce que des boards électroniques, hein, des cartes électroniques qui satisferont une demande particulière pour les systèmes de contrôle. Donc ça, oui, ça s'est vu. Il y a beaucoup de choses aussi au niveau interface humaine où ça ressemble un peu des Game Boy ou des choses comme ça, pour ne pas les citer, des interfaces qu'on peut utiliser pour des jeux électroniques. En fait, nous, il faut les rendre entièrement étanches. Donc, on va développer nos propres interfaces humaines avec de l'impression 3D, les joints qui vont bien, enfin voilà. Donc oui, il y a un mix un peu de custom et de pièces totalement industrielles. Une autre question de l'audience. American Magic était sponsorisé par Airbus, ou en tout cas, il y avait un partenariat avec Airbus. Comment est intervenu Airbus dans le design ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Ils étaient présents dans quasiment tous les départements, en fait. Ils étaient très présents dans les systèmes avec moi. Laurent Chatillon, Laurent Dalbiès, c'est des gens qui étaient intégrés directement dans l'équipe. Pour ma part, ces gens-là s'occupaient de tout ce qui pouvait être aussi test et développement des modèles, des systèmes que je pouvais concevoir avec d'autres personnes, pour les intégrer au simulateur. Et il y avait aussi des gens qui ont aidé au développement du simulateur d'American Magic avec Joseph Ozan, qui lui était en charge complètement donc un autre Français. Ils ont aussi été très, très impliqués dans le design des foils et des flaps, que ce soit au niveau de la CFD avec donc Computational Fluid Dynamics, là, dont parlait Guillaume tout à l'heure, les écoulements, mais qu'on n'avait pas le droit de faire en bassin ou en wind tunnel. Donc on devait le faire d'une manière ordinateur, numérique. Et donc ça, ils ont été impliqués là-dedans aussi. Et ils ont même été, avec Yves Le Bianic, intégrés au niveau des décisions managériales, au niveau du design team. Donc, ils étaient intégrés et partie prenante. Ils étaient encore plus impliqués que ce qu'ils ne l'ont été chez Oracle Team USA pour la campagne de 2017. Très bien. Guillaume, une question d'un Anglais à propos d'un potentiel défi français. Tu disais que ce qui pouvait être vite compliqué, ce qui pouvait t'inquiéter, toi, c'était de voir les équipes grossir en taille et la capacité à faire fonctionner tout le monde ensemble du point de vue du design team. Est-ce que ça veut dire que, d'une part, less is more, comme on dit en anglais, en termes de design, est-ce que c'est possible de faire
une campagne avec une petite équipe et dans ce, une petite équipe de design. Et dans ce cadre-là, est-ce que du coup, ça te semblerait possible pour une équipe française de mettre en œuvre des designs innovants pour la coupe? Alors, il y a une limite à tout. Hein. J'avais fait la coupe à l'époque avec Areva, donc Cash Challenge. On était vraiment une toute petite équipe et c'était génial. C'est peut-être là qu'on a le plus appris quand on était une toute petite équipe. C'était un peu petit par contre parce qu'on ne pouvait pas creuser dans beaucoup de directions. Et puis, on a une limite au nombre d'heures qu'on peut passer par jour. On a aussi, mais ce qui est très important, c'est de concevoir, et je pense que ce soit un avion, une voiture ou un bateau, de concevoir en petits groupes réduits et puis ensuite étager ça sur plusieurs autres groupes, c'est-à-dire déléguer après. Mais je pense qu'au départ, les concepts initiaux, ils vont très vite. Et c'est très bien de ne pas être trop. De ce point de vue-là, je pense que laisse. Être le moins et le mieux. Mais encore une fois, après, quand il faut percuter, quand il y a des erreurs, qu'il faut changer de fois parce qu'il y a un truc qui ne va pas, on ne peut pas se permettre d'être tout petit. Sinon, pour continuer, est-ce qu'une toute petite équipe peut gagner ou pas? Ou est-ce qu'en France, on peut le faire? Il faut savoir qu'il y a quand même un truc qui est, moi, je trouve légèrement écœurant dans la coupe, hein, mais avoir des gens qui travaillent 320 heures par mois ou 300 heures par mois, c'est un peu écœurant. Et ce n'est pas une critique de mon équipe, hein, c'est comme ça dans toutes les équipes. Et je ne suis pas du tout contre les 169 heures, parce que je suis plutôt socialiste, hein, en tout cas dans mon âme. Et je vois pas... Je ne verrais pas ça d'un très bon œil, on va dire qu'il y a une dérogation faite pour la coupe. Hein. Mais ça rend la chose plus compliquée en France, en tout cas, c'est évident. Donc, je ne sais pas la réponse à ça, c'est pas évident. Faire une équipe en France avec 169 heures, et je trouverais dommage d'avoir des dérogations, c'est sûrement compliqué. Ça demanderait d'avoir deux fois plus de monde, donc plus de complexité. C'est presque un serpent qui se mord la queue. C'est une économie de guerre, quoi, hein, la coupe. C'est une économie de guerre pour un jeu. C'est presque dommage qu'on ne l'utilise pas à des fins qui soient presque plus incroyables que ça. Enfin, c'est super drôle de faire un objet comme ça, et je pense qu'il faut le voir comme une œuvre d'art. Mais c'est presque dommage dans ces temps de crise planétaire qu'on n'arrive pas à faire des groupes comme ça pour des... à des fins plus utiles, je dirais, plus utiles pour l'environnement, plus utiles pour la décarbonation. On a des challenges aujourd'hui qui sont hyper importants, et ce serait super que, en tout cas, d'autres groupes s'inspirent de nos méthodes de travail qui sont un challenge, un peu un jeu. C'est un jeu ce qu'on fait. Ils s'en inspirent pour monter des groupements architecturaux de guerre avec une finalité qui ne soit pas du tout guerrière, quoi, et qui aide vraiment à autre chose. Je trouve qu'on parle beaucoup de technique, là, mais en voile, juste les marins ont été assez extraordinaires aussi dans les équipes, et je pensais au rôle des gens comme... Ray Davies, Glenn Ashby, enfin, Pete Burling, JJ, tous ces marins incroyables. Et je pense qu'une grande ressource de notre équipe aurait été leur compétence à comprendre les complexités techniques. Et qu'avoir une discussion horizontale et un échange facile, ça doit être une des grandes clés de la performance. Et je pense que ce qu'on avait vu lors des coupes précédentes, en tout cas, moi, ce que j'avais vu un peu dans les défis français, tout ça, l'échange était plus cloisonné entre les marins et le design team. Et nous, je crois que c'était comme ça chez Team New Zealand il y a longtemps. Et c'était décloisonné, c'était complètement décloisonné. C'est-à-dire qu'on est tous assis les uns à côté des autres, échangés. C'est un échange très horizontal. Voilà.
C'était l'une des questions qui était comment expliquer un petit peu la victoire de Team New Zealand, et les autres équipes ont beaucoup mis en avant justement l'intégration des navigants dans le design team, enfin la capacité des départements à plus être cloisonnés, comme tu le soulignes. C'est une volonté dès le départ chez Team New Zealand, ou c'est une culture? C'était comme ça la dernière fois et aux Bermudes, et c'était un peu moins comme ça quand j'ai fait la coupe en 2010, de 2010 à 2013, 14, c'était un petit peu moins, mais quand même, au milieu de coupe à San Francisco, au milieu de la campagne, on avait changé le process. Et Glenn Ashby, Dean Barker, tout ça venait échanger énormément avec nous. On était tous remontés sur le même niveau. Et ça avait été vraiment bien. On ne l'avait pas gagné quand même. Je crois que c'était Dimitri qui l'avait gagné. Gauthier, quand on a préparé un petit peu cette chose-là, et Dimitri aussi, vous avez souligné justement ça, cette capacité des Kiwis à intégrer les navigants dans tous les process de l'équipe. Ça vous a, vu de vos défis respectifs, ça vous a fait un petit peu envie, Gauthier, pour commencer? Oui, je pense que nous, c'était peut-être une de nos faiblesses. D'ailleurs, quand je parle technique, pour moi, j'englobe totalement les navigants et tout le monde. Hein. Quand on parle technique, pour moi, ça va du navigant à l'ingénieur à celui qui fabrique. Mais oui, effectivement, je pense que les Kiwis l'ont mieux fait que nous, en tout cas, je pense. Quand on regarde à bord, on a des navigants d'exception hein, sur Ineos. Je pense qu'au nombre de médailles olympiques, on devait être pas mal. Et on n'a pas forcément réussi à convertir tout ça en échange. Il y a eu, évidemment, des échanges. Hein. Faut pas croire que c'est complètement cloisonné. Mais ils se posaient plus en utilisateur pilote qu'en étant vraiment partie prenante, complète dans le quotidien, dans le concept. Et je pense que c'est un peu, on parle beaucoup du simulateur, mais le simulateur, pour moi, c'est un outil de synergie entre justement les navigants et l'équipe technique, parce que c'est dynamique, parce qu'il y a une interface humaine qui permet aux navigants de s'impliquer beaucoup plus que sur des calculs sur une feuille Excel ou sur un VPP qui peut parfois être un petit peu complexe. Je pense que c'est aussi ça. Il faut comprendre que dans un simulateur, les modèles sont quand même simplifiés d'un point de vue physique pour justement pouvoir intégrer cette partie dynamique qui est très gourmande. Et puis, on n'est toujours pas capable aujourd'hui de résoudre toutes les équations en jeu physiques. Et donc, il y a beaucoup de modèles simplifiés empiriques dans les simulateurs. Donc voilà, on a toujours recours à d'autres outils comme le VPP, mais le simulateur, c'est la synergie entre tous les intervenants. Et puis, ça nous permet d'avoir accès à des consommations d'énergie, des choses comme ça qui sont, on n'en a pas parlé, mais qui sont quand même au cœur de la guerre. Quoi. Dimitri, toi, sur le rôle que peuvent jouer les navigants et justement la capacité d'une équipe de design à bien dialoguer avec les utilisateurs. Oui, ben moi, j'ai retrouvé un peu ce que disait Guillaume, hein, parce qu'en plus, on avait quand même un Kiwi qui était chez eux les fois d'avant, en la personne de Dean Barker. Donc, effectivement, c'est un très bon pilote d'essai. C'est une personne qui a énormément dialogué avec nous au niveau design, qui a énormément utilisé le simulateur dans la partie design, sûrement moins d'un point de vue entraînement des départs ou de courses, mais ou peut-être pas autant que certains, comme avec Philippe Presti et James Pitil. Mais par contre, oui, il était très présent d'un point de vue design et dialogue technique. Donc, très très bon metteur au point, et c'est critique pour pouvoir faire des choix, notamment au niveau des foils, mais pour tout le reste aussi. Donc ça, je l'ai retrouvé. Alors, est-ce qu'on l'a fait aussi bien que Team New Zealand
Sensiblement, peut-être pas. Et moi, dans ce que je peux voir de l'extérieur, après Guillaume me contredira peut-être, mais ce qui m'a frappé, moi, et je te le disais quand on faisait cette préparation, c'est que quand j'ai vu la manière dont naviguaient Team New Zealand et leur bateau, j'ai un peu retrouvé la manière dont navigue Peter Burling et Blake Tuck sur leur 49er, quoi. Donc, est-ce que c'est une coïncidence du mode de fonctionnement je ne sais pas, Guillaume nous en parlera peut-être, mais en tout cas, ça, de l'extérieur, ça donnait l'impression qu'effectivement, leur bateau matchait vraiment la volonté ou le type de navigation qu'utilise Peter sur d'autres supports, quoi, voilà. Donc tout est intégration, encore une fois, et je suis d'accord avec Gauthier, l'histoire du simulateur, c'est vraiment un incubateur de d'idées et de communication entre tous ces groupes, et c'est le simulateur en lui-même, c'est peut-être pas suffisant, mais par contre le fait qu'on l'utilise comme catalyseur de communication entre tous ces groupes et qu'on oblige quand, en tout cas, que les navigants puissent venir l'utiliser comme un outil qui est beaucoup plus user friendly, c'est un gros avantage. Allez, dernière question parce que on déborde un petit peu, mais c'est vraiment hyper intéressant. Guillaume, toi qui, comme tu l'as indiqué, ne travaille qu'à mi-temps dans la coupe, c'est quoi les retombées de la coupe pour les dessins que tu peux faire en IMOCA et en ultime? Et est-ce que tu vois même des retombées sur l'industrie, un petit peu comme, ainsi que le suggérait l'une des personnes qui a posé les questions, un petit peu comme la F1 génère des retombées sur l'industrie automobile? Est-ce que là, la coupe va générer des retombées sur les autres supports de course comme les IMOCA, les ultimes, et peut-être plus tard dans l'industrie de la plaisance? Alors, je ne sais pas, c'est souvent une question qu'on pose. Et puis, quand je regarde les bateaux de croisière, je me dis qu'il n'y a quand même pas beaucoup de retombées. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien, les bateaux de croisière qu'on fait en France sont bien, mais il n'y a pas beaucoup de liens de l'un vers l'autre. Après, dans les bateaux de course, oui, il y a des liens. Il y a des liens forcément avec l'électronique, l'acquisition de données, ne serait-ce que les gens qui travaillent dans les équipes et leur manière de fonctionner qui s'en inspire, et sûrement dans la qualité des voiles, et la chance que Gauthier a beaucoup plus à dire que moi. C'est sûr que dans les voiles, il y a énormément. Dans le bateau, pas vraiment. Et en système, énormément, et ça, Dimitri pourrait en parler mieux que moi. Et dans, toi, les foils, oui, dans les foils, les profils, la mécanique, il y a eu aussi pas mal de choses qui sont venues. On avait beaucoup bossé sur Gitana et c'était quand même une bonne source d'inspiration, les systèmes de volet qu'il y avait sur Gitana et tout ça, ça ne nous a pas été inutile non plus. Donc, ça va dans les deux sens aussi, c'est un mélange. On progresse dans tous les sens par la discussion et ce n'est pas que dans un sens ou dans l'autre, c'est une espèce de, on va dire, de communauté qui interagit. On n'est pas tant que ça. On n'est pas tant que ça à discuter de ces problèmes-là. Et même, je vois, là, il y a des questions sur la CFD, la qualité des outils, tout ça. Mais évidemment, entre les équipes, que ce soit entre la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Angleterre, c'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve qui vont d'une équipe dans l'autre. C'est les mêmes vendeurs de logiciels, c'est souvent les mêmes mécaniciens. Du coup, forcément, il y a un gros croisement. Au niveau bateau de croisière, moi, je ne sais pas. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent de bateaux de croisière sur foil et tout. Enfin, je ne sais pas de quel genre de croisière ils parlent, franchement. Parce que moi, ça me ferait vraiment chier d'être sur un foil en croisière, quoi. Je ne sais pas si vous avez des enfants, les gens qui posent ces questions-là, mais moi, ce n'est pas mon truc, quoi. J'aime bien acheter l'encre et aller pas m'éclater avec mes enfants. Et... Donc,
Chacun son truc, ceci dit. Y a de la place pour toutes les, pour tous les goûts. Voilà, donc on voit pas mal d'applications quand même sur les bateaux à moteur qui souhaitent avoir des foils. Il y a pas mal de choses dans d'applications de retombées qui vont dans cette direction, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait plutôt prôner aller moins vite qu'aller plus vite, mais ça dépend ce qu'on cherche. Hein. Certes, pour certains, c'est peut-être traverser un lac pour aller de l'aéroport de Genève à l'autre côté, hein, j'en sais rien. Parce que ça bouchonne. Est-ce que ça va limiter la consommation d'essence? Ça m'étonnerait. Gauthier, sur les retombées de la coupe, sur les autres disciplines de course et éventuellement sur la plaisance? D'autres marchés, d'ailleurs. Hein. On parle de la plaisance, mais ça peut être aussi d'autres marchés que la plaisance. Est-ce que vous voyez des marchés possibles pour tout ce qui a été développé? Au niveau, moi j'ai parlé de ce qui me concerne directement. Au niveau des voiles, ce qui est certain, c'est que sur cette édition de la Coupe, on avait des contraintes de masse avec des charges très élevées. Donc ça nous a vraiment poussé à réfléchir à des nouvelles solutions au niveau des structures de voiles. Et puis, essayer aussi de gérer cette demande de puissance variable de la part du plan de voilure. Donc ça s'applique assez directement à un certain nombre de bateaux comme les Ultimes, les Imoca et d'autres bateaux rapides. Et puis, sur la question de la plaisance, effectivement, ces structures vont aussi, si on peut faire des voiles de plaisance plus légères et qui tiennent aussi bien, voilà. Après, effectivement, c'est un peu plus distant. Au niveau, c'est pas une application directe. Il faut voir que quand même le support de la coupe et le format de la coupe, c'est quand même c'est très pointu, c'est très précis. On navigue dans des conditions très contrôlées. Et donc, il y a des généralités qu'on peut appliquer sur d'autres supports, mais on reste quand même dans un microcosme très, très contraint. Mais oui, des applications, je pense au niveau même, on n'y pense pas souvent, mais définition des voiles. Donc, on a vu beaucoup d'intégration au niveau définition avec des définitions composites intégrées, donc qui remplacent certains sanglages. Donc ça peut être intéressant sur la croisière ou avoir des choses plus esthétiques, des choses qui sont peut-être plus intégrées entre le mât et la voile, donc qui permettent d'avoir moins d'intervention humaine. Donc ça peut avoir des applications. Ouais. Et puis, on ne parle pas non plus forcément souvent, mais il y a un marché qui se développe, c'est le transport maritime à propulsion vélique ou hybride. Et donc, dans ces contextes-là, on a des charges qui sont assez élevées et donc il peut y avoir des similitudes et des passerelles à ce niveau-là. Je pense que ça pourrait faire l'objet de longs développements sur les transferts de techno depuis le monde de la course vers le monde du transport, et on le fait très souvent à Eurolarge. Dimitri, c'est toi qui va conclure du coup sur cette question justement des transferts de technologies possibles. Oui, je vais rajouter un peu à ce que Guillaume et Gauthier disaient par des éléments concrets. Que ce soit pour plutôt les bateaux de course ou les bateaux à moteur, effectivement, on a tous plus ou moins développé des autopilotes dans les différentes équipes, même s'ils ne sont pas autorisés. Il y avait un intérêt à avoir, en tout cas chez American Magic, on en a fait le développement, et pour pouvoir aussi aider les navigants à apprendre à utiliser le bateau. Et donc, ça, c'est un transfert que l'on voit aujourd'hui, hein, que ce soit sur les bateaux de course ou parce que bateau de course à foil ou bateau à moteur à foil aussi, et donc intégration d'autopilotes qui vont faire en sorte que l'utilisateur, ça sera plus facile pour lui, plus sécuritaire,
Et puis après, pour prendre le contre-pied de Guillaume, en fait, moi, j'ai foiré un projet croisière avec mon épouse en 2010. Et en fait, notre but, c'était vraiment d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B pour pouvoir être à l'ancre. Et donc, bon, je me dis qu'un petit bateau à foil, ça m'aurait pas déplu, en fait. Alors, il y aura sûrement d'autres personnes que moi qui, dans le futur, auront la volonté d'aller plus vite d'une île à l'autre ou d'un point A à un point B pour pouvoir profiter plus longtemps. Donc, qui sait, oui, je pense qu'il y a des développements dans le futur quand les choses seront sûrement plus sécuritaires. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait lentement, même si c'est pas direct. Et la coupe, elle m'a toujours étonné de ce point de vue-là, c'est qu'on ne dépose finalement souvent aucun brevet, alors qu'on est quand même un secteur technologique qui faisons de l'innovation constamment, mais on est dédié à cette victoire et en fait... très peu souvent à une rentabilité de notre secteur. Des acteurs extérieurs en profitent potentiellement, mais très peu souvent, les équipes sont celles qui développent ou qui déposent en tout cas les brevets technologiques. Quelque chose peut-être à explorer et à changer d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. J'ai explosé le timing, mais bon, c'était très intéressant. Tu me diras, Carole, si on a bien fait ou pas. Merci à tous les trois. On va laisser Gauthier aller naviguer sur Banque Opéra. Il est encore là, je vois le mât. Tu vas pouvoir éteindre, y aller. Et merci beaucoup à Guillaume et à Dimitri. On va vous laisser prendre votre tisane et aller vous coucher sans tarder, parce qu'il fait bien nuit à Auckland. Merci à tous les trois. Et Carole, je te laisse ta parole. Et alors, je pense que merci Pierre-Yves. C'était super intéressant. Hein. On a eu beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde. On a essayé de répartir un petit peu les questions en fonction des intérêts. On arrive au terme de ce troisième visio-café Eurolarge hein, de 2021 qui va être prochainement accessible en replay sur la chaîne YouTube Eurolarge Innovation. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez continuer à suivre nos actualités sur les réseaux sociaux par Internet et en vous inscrivant à la newsletter Bretagne Sailing Valley. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires, là ça passe à l'écran, mais vous pouvez les retrouver également sur la page voile de compétition du site de Bretagne Développement Innovation. On vous donne rendez-vous pour de prochains visio-cafés, on en aura certainement encore deux en 2021. On vous tiendra informé du programme et des dates. Si on poursuit la version anglophone, on n'hésitera pas à inviter toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Voilà, encore merci à tous et toutes pour votre participation. Merci infiniment aux intervenants qui ont vraiment fait la qualité aussi de ce visio-café. Il y a plein de choses intéressantes qui sont ressorties. On va faire un compte-rendu. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.